Et les amis, j'espère que vous allez bien, je suis une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, là il est actuellement midi 15, je reviens de partiel, excusez-moi pour ma peau extrêmement rouge, j'ai des boutons de partout. Donc je suis hyper fatiguée, donc si je suis plus trop présente sur Instagram etc, c'est normal. J'essaye de mieux réviser parce que, enfin vous le saviez, je bosse le week-end et les jours fériés. Et les autres jours, et ben en fait j'ai des partiels chaque jour. Donc c'est hyper galère pour réviser parce que le seul moment où normalement je peux réviser, bah je travaille. Donc c'est vraiment compliqué pour essayer d'apprendre. Donc le soir j'apprends, mais c'est un peu compliqué. Mais enfin bon, je ne veux pas forcément réussir mon année puisque comme je vous ai dit, j'ai envie de changer de filière. Si j'ai mon année, ma L2, mais je ne pense absolument pas parce que je ne travaille pas, quasiment pas, ou je ne peux pas travailler... je continue ma L3, mais si j'ai pas ma deuxième année, bah je change en fait. Je vais dans le commerce, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà. Et dans le salon, c'est un peu le bordel parce que là, j'ai installé une table pour pouvoir réviser. Comme vous pouvez voir, c'est un peu petit. Donc bon, c'est bien pratique pour réviser, mais après, je l'enlève quoi. Le bordel, là, je viens de voir qu'il y a ma table à repasser qui est tombée avec le vent, je pense. Je sais pas si vous avez montré, mais j'ai installé ça comme ça, vite fait, pour sur mon frigo. Mais je vais racheter plein de petites plantes. Je sais pas si vous les avez déjà montré. Bon, de toute façon, je vous le remontrerai dans un haul si c'est pas le cas. En gros, je vais mettre plein de petites plantes ici. Je vais me faire à manger, je ne sais pas ce que j'ai dans le frigo. Je ne sais pas. En fait, moi, je me nourris que de yaourt, de fromage et de jus de fruits. Sinon, j'ai de la viande et tout, mais j'en mange rarement de la viande, donc c'est, je sais pas. Et comme j'ai pas de four, genre, en fait, j'ai un four micro-ondes, mais sauf que en four, il fonctionne pas trop. Genre, c'est un peu, ouais, il fonctionne pas. Donc, en fait, il surchauffe vite, donc je préfère pas que ça crame, que ça prenne feu, tu vois. Et on va se faire des trucs basiques. Je vais me faire, vous savez, ça, les petits Suisses. Ça, si vous mangez ça quand vous étiez petit, mais j'ai oublié d'enlever l'emballage, moi. Vraiment débile. Mais quand j'étais petite, je mangeais deux petits Suisses comme ça, avec du sucre ou de comment ça s'appelle, du truc de marron là. Comment ça s'appelle, la confiture de marron. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà. Et je mangeais des fruits et tout. Moi j'ai un fruit. Je sais pas ce que je vais manger. Je sais pas ce que je vais manger. Et je vais me prendre du fromage. Mighty, voilà mon repas les gars. Mon appareil photo il tient sur un fil. Moi je suis un peu malade, genre je suis enrhumée. À chaque fois, à chaque période de partiel, je suis hyper malade. Genre je sais pas. Mon organisme il se dit tiens, si on la rendait un peu malade, tiens, pour que ça soit un peu plus drôle. Et aujourd'hui, oui, je dois aller chercher un truc qui va me changer la vie. J'hésitais vachement d'en acheter un, enfin d'en prendre un, de prendre l'abonnement. Parce que j'avais ma 4G de téléphone et tout, tu vois. Et j'ai 100 gigas par mois avec Free pour 2 € par mois. Donc, tu vois, c'est énorme. Mais le problème, c'est que dès que j'utilise ma 4G pour avoir Internet ou que, tu vois, j'essaye d'uploader une vidéo ou je ne sais quoi, ça prend du temps. Et ça me bouffe vachement de batterie sur mon téléphone. Et plus tu recharges ton téléphone... plus bah, ton téléphone il ne dure pas. J'ai obligé de charger 2 fois par jour mon téléphone et c'était extrêmement chiant parce que j'avais jamais de batterie. Donc j'ai pris une box internet télé que je vais aller chercher tout à l'heure. Et je m'en fous tu vois parce que je regarde jamais la télé, mais c'est surtout avoir internet. Je voulais m'acheter un truc juste pour avoir internet, mais c'était genre 30 balles. Alors autant prendre pour 15 € par mois pendant un an télé plus internet. Vous êtes beaucoup à me demander comment ça se passe avec mon copain etc. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, oui, j'ai retrouvé l'amour. Donc ça se passe super bien. Je sais pas si je vous aurais fait la vidéo FAQ. Parce que je vous avais dit que je vous ferais une vidéo FAQ sur mon couple. Genre les petites questions, ouais, comment on s'est rencontrés, etc. Tu vois, parce que ça peut intéresser des gens. Je sais pas quand est-ce que je vous la ferai. Peut-être qu'elle est déjà sortie, je ne sais pas. Je pense pas. Parce que je pense pas que j'aurais eu le temps de la tourner là. Mais ouais, enfin, ça se passe super bien. Et on se quitte plus, vraiment on ne se quitte plus, on dort tout le temps ensemble, il est tout le temps avec moi, genre quand il est pas au boulot il est avec moi en fait. Donc non franchement je n'ai rien à dire sur cette personne, elle est juste géniale. Ouais donc bien évidemment je ne la montrerai pas sur YouTube comme d'habitude. Je tiens à l'anonymat à chaque fois des personnes qui sont avec moi, que ce soit ma famille, mes copains, mes amis. Je ne montre jamais leur tête. Là je ne sais pas si je dirais son prénom, je pense pas qu'il veuille donner son prénom. Enfin bref ça se passe super bien. Et je suis vraiment heureuse, vraiment vraiment. C'est, enfin, de toute façon, vous l'avez vu sur mes vidéos, vous avez vu que j'étais souriante, heureuse, etc. Tout simplement grâce à lui, en fait. Enfin, il m'apporte beaucoup, beaucoup de bonheur, d'amour, etc. Et comme je le connais depuis 3 ans, je me dis mais comment j'ai pu passer à côté, en fait.
Je sais pas comment régler ma caméra, c'est gênant. Bref, vous me voyez, je pense. Je sais pas vous, mais moi, en ce moment, j'ai plein de pubs, genre c'est affolant. Mais comme ça, quasiment toutes les semaines. Vraiment. Alors, moi, de base, ça me dérange pas les pubs. Vraiment, j'adore les pubs. Genre, quand j'allais chez ma grand-mère, la première chose que je faisais, c'est de regarder ces pubs. Parce que moi, quand j'étais à Paris, j'en avais pas. Et là, ici, on en a plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est bien, moi, j'aime bien. Mais tu te rends compte, la masse de papier? Tu te rends compte? Et on est plus de 6000 dans le lotissement, tu vois. Donc, t'imagines ça, tout Paris, tout Villejuif, tout Vitry, tout Ivry, tout le Val-de-Marne et tout le bordel. Oh, ça fait du papier, mais à fond. Genre, truc de fou. Bref, je voulais m'acheter une imprimante. Est-ce que vous avez des imprimantes à me conseiller? Donc, votre avis. Parce que je voudrais m'acheter une imprimante et je veux pas que les cartouches soient chères. J'ai regardé sur les sites et tout, genre Planète Cartouche, là où j'achetais mes cartouches, les cartouches qui étaient pas chères, etc. Sauf que les imprimantes, soit elles datent vraiment beaucoup, soit... parce qu'en fait, j'en ai une là-bas, je sais pas si vous voyez, là, tu vois là. Mais sauf que je ne trouve pas les cartouches jaunes qui vont avec, donc c'est un peu galère. Donc voilà, je voulais aussi m'acheter une télé parce que la mienne... Bon, elle est bien mignonne, hein, mais voilà, elle est petite. Elle est petite, mais j'aimerais bien avoir une vraie, tu vois. Donc, s'il y a des gens qui vendent leur télé, je sais pas, dites-moi ou je vais regarder sur le bon coin. Ah oui, en parlant de vente, je vais bientôt faire Vinted. J'attends juste la fin de mes examens pour vendre mes habits. Faut vraiment que je le fasse. Ça fait un an que je dis qu'il faut que je le fasse et je le fais pas. Je sais pas, pourtant c'est pas compliqué, tu vois. Tu as juste à prendre en photo et basta. Mais dès que j'ai mon compte Vinted, les gars, je vous jure, je vous tiens en courant sur Insta. Mon Insta, c'est Elsa BRTOF. J'ai changé de nom, je préfère Elsa BRTOF que Panda Petit officiel. Donc j'ai changé mon Insta et je vous le dirai sur YouTube. Et je vous présenterai les articles aussi que je vends, comme ça vous verrez ce que ça donne en vidéo. Et parce que des fois en image, on peut pas trop s'apercevoir, mais alors qu'en vidéo, on voit mieux. Bah là, c'est Tic. Qu'est-ce que tu fais de beau, mon cœur? T'es une petite chiquette, hein? Oui, mon cœur. Bah alors? Les abonnés ne te voient plus? Tu viens plus dans les vidéos aussi, toi? Bah alors? On va aller chercher la box? On y va? On va chercher la box? Tu viens avec moi? On va chercher la box wifi. Bon, je viens de rentrer, on a fait une petite balade avec Birdie, on est allé au parc et je suis allée chercher mon petit colis. Donc, heureusement que j'ai des grands sacs et tout parce que... ce genre de sac là, vous savez, des grands sacs NYX comme ça là, ils sont vraiment bien pour remettre même vos plantes et tout, pour Truffaut, etc. Donc là, c'est ma box internet. Ça, c'est la box pour l'internet. Et ça, c'est la télé. Alors qu'avant, moi j'avais un 2 en 1, genre c'était une box, tu sais, ensemble quoi. Et là, en fait, non, c'est séparé. Donc ça, c'est numéricable. Enfin, je suis passée chez SFR. Enfin, moi, numéricable, je connais depuis des années, donc je préfère prendre ça. Moi, je connais, tu vois, je sais comment ça fonctionne. Et c'était le moins cher sur le marché. Bon, je suis dépitée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ça. Je n'ai pas cet adaptateur-là. Donc c'est un peu inconvénient. J'ai juste cette petite prise là-bas, là. Normalement, c'est pour le téléphone. Ou... bon, eh bien, je suis dégoûtée. J'ai qu'une prise téléphonique. J'ai pas de RG45. Donc il faudra que j'aille à Leroy Merlin tout à l'heure, là. Quand je vais aller chercher mon mec au boulot, j'irai à Leroy. C'est à côté, donc... J'irai m'acheter une prise RJ45. Je sais pas s'il faut des outils particuliers parce que je sais que les tournevis ils sont très très fins. C'est des tournevis spéciales pour l'électricité. Je crois que j'en ai pas. Donc c'est chiant et j'arrive toujours pas à ouvrir ma caisse à outils. Genre elle est bloquée. Depuis le déménagement elle est bloquée. Je n'y arrive vraiment pas. Je suis trop dex. J'étais trop contente d'avoir internet et tout. Genre pouvoir vous poster une vidéo demain tranquillement sans utiliser ma 4G et attendre 4 heures. Et au final, bah non, donc je vais m'y mettre maintenant. Donc ça va être un vlog sur plusieurs jours, je pense. Moi, je vous laisse pour la suite de cette petite vidéo. Alors, nous sommes le lendemain, ne faites pas du tout attention à ma tête. Alors, je sais pas ce que je vous ai raconté dans ma dernière vidéo, là, sur mes prises. Enfin, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, je ne pense pas, mais... si un jour j'ai ce même problème, je regarderai cette vidéo. En gros, je vais vous montrer... en gros, j'ai une prise téléphonique, mais j'ai pas de prise câble pour visser ma box wifi et ma box télé. Sauf que j'avais pas vu. Moi, je suis vraiment une débile. J'ai un câble comme ça, là, qui sort. Donc, c'est un câble antenne. Donc, s'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, écoutez bien. Donc, en fait, j'ai un embout vis comme ça, mais ça ne va pas dans cet embout là. Donc, il me faut un adaptateur pour brancher mon câble antenne à ma box télé. Donc je vais devoir aller à Leroy Merlin pour prendre ça. Donc il faudra que je branche ça. Ensuite, pour ma box Wi-Fi,
Je vais devoir prendre un adaptateur pour ma prise téléphonique. Je vais prendre avec un double embout. Et pour un embout téléphonique comme ça, et un embout RJ45 comme ça pour avoir le Wi-Fi. Dès que j'aurai ces embouts là, et ben je brancherai avec un autre câble RJ45 ma box Wi-Fi avec ma box télé. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, et ben voilà la solution pour celles et ceux qui étaient bloqués. Donc voilà, je ne peux pas visser avec ça. Je peux pas visser avec ça. Mais il me faut cet embout là en fait. Donc voilà, il me faut ça. Parce qu'en fait, hier, je suis allée à Leroy Merlin et tout. Et il m'a dit de prendre ça. Sauf que bah c'était pas ça qu'il fallait. Donc j'ai montré tout ça à mon père. Il m'a dit ce qu'il fallait prendre. Grave malade. Genre, je parle. Là, je vous parle fort, tu vois. Mais à mes clients aujourd'hui, je vais leur parler hyper doucement. Ils vont rien comprendre à ce que je vais raconter. Je finis à 19h. Après, j'attends mon copain qui finisse sa journée. On rentre tous les deux à la maison. On va faire les nouilles. Je vous ai pas montré sur YouTube. Je vous ai montré sur Instagram. On est allé acheter en fait à Tang Frère. Donc, ça, ceux qui ne connaissent pas Tang Frère, enfin, Tang Frère, c'est la base. Surtout à Paris 13. c'est un magasin qui vend que des trucs chinois, japonais, je sais pas, enfin asiatiques en tout cas. De tout, des rien, genre des nems, du riz pour les sushis, la sauce soja, des algues, des trucs comme ça. Et nous on a acheté des choses comme ça. On a pris du riz à sushi. On a pris des galettes de riz pour faire les sushis en fait. Au lieu de prendre des algues, on a pris des galettes de riz. Il a jamais goûté avec ça, donc je lui ferai goûter. Et c'est, les galettes de riz, comme ça, tu peux faire aussi des rôles printemps. On a acheté du vermicelle, etc. Et plein d'autres choses. Après, il a acheté des espèces de gros pains, je sais pas ce que c'était, mais ce qui paraît, c'est bon. Et donc là, j'ai acheté aussi d'autres petites choses que je vais faire ce soir. J'ai acheté voilà, du vermicelle comme ça. Donc de base, c'est pour faire les bobounes, tout ça, etc. Mais moi, je vais essayer d'en mettre dans les rôles printemps et dans mes sushis. Donc j'ai pris ça, j'ai pris de la sauce soja. J'ai pris du lait de coco pour faire du tapioca, parce qu'il connaît pas du tout le tapioca mon copain, donc je vais lui faire découvrir. Donc j'étais trop contente d'en retrouver des paires de tapioca. Ma mère elle les faisait mais tellement bien les tapioca, donc j'essaie de refaire sa recette, enfin de me souvenir de ce qu'elle m'avait dit. Donc là il y en a 400 grammes et j'ai pris avec différentes couleurs, je savais pas qu'ils faisaient ça, donc ça va être drôle. Des nouilles comme ça. Donc il y a trois préparations normalement de ce que j'ai compris. Et en fait ça fait ça à la fin. Donc on va essayer de faire ça ce soir avec mon copain. On va voir ça. Donc voilà, donc on n'a pas eu pour cher, hein. C'est pas très cher hein, là-bas chez ton frère. Donc on va tester ça. Je vais tester le tapioca. Mais d'abord je vais ranger l'appartement parce que là c'est une catastrophe. Regardez, j'en ai foutu partout. Vraiment partout. J'ai sorti, il pleuvait à verse. Elle était trempée, genre ses poils étaient tout ondulés, tu vois. Et donc là, je vais la ressortir un petit peu parce que il pleut un peu moins. Oh, j'avais pas de parapluie pour rentrer chez moi parce que j'ai dormi chez mon copain. Et ma tête, oh là là, c'était horrible. Alors déjà, ma tête comme ça, elle est horrible. Mais alors imagine avec des cheveux trempés, maladie, en train d'éternuer toutes les 5 secondes. J'étais pas bien dans le métro, je suis en mode ah, j'ai envie de rentrer chez moi, je veux mettre mon truc licorne et tout. Il m'a toujours pas vu en licorne. J'attends encore un petit peu et il me verra en licorne très bientôt. Je vous ai pas montré, enfin si je vous avais montré. Si vous vous souvenez, j'essaierai de vous mettre la vidéo de quand j'avais mon cactus avec le petit coin là qui est en train de pousser. Et regardez comment ça a poussé. C'est pas trop mignon? J'adore, c'est le deuxième en partant de la gauche. Par contre, je vais faire beaucoup de tri dans mes plantes, donc celle-là, elle est un peu morte en fait. Donc voilà, bref, je vais ranger l'appartement parce que c'est une catastrophe. Je vais me laver parce que c'est encore plus une catastrophe. Je vais sortir Birdie, je vais manger un tout petit coup et après, bah, je vais partir travailler. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini de me préparer. Il y a un changement de fou entre ma tête de dégueulasse et ma tête de maintenant. Le fond de teint fait des miracles, hein. Oui, ça se voit. Travailler, j'espère que les clients vont bien m'entendre parce que j'ai pas envie de me répéter aujourd'hui. Donc je vais aller me faire rembourser de ce que j'ai acheté à Leroy Merlin. Et dès que je finis le taf, je vais à Leroy encore une fois pour acheter tout ce qu'il faut acheter. Le problème c'est que je finis à 19h30 et ça ferme à 20h, donc il faudra que je me dépêche de fou quoi. Parce que j'ai pas envie de retourner demain. Donc voilà, je vais vous montrer en rentrant ce que j'ai acheté à Leroy Merlin hier. Quand j'y suis allée pour acheter mon truc, il y avait une petite plante. Mais elle était tellement mignonne. Il faut trop que je la prenne. Vraiment trop mignonne. Je vais essayer de la prendre et de vous la montrer. Et ce qui est bien à ce Leroy Merlin, c'est que j'ai tout le temps 10% là-bas. Parce que je suis partenaire avec eux. Donc ça, c'est cool, quoi. Nous sommes le lendemain. Alors, ce vlog n'a plus aucun sens. En gros, hier, on n'est pas allé à Leroy Merlin. On était allés tous boire un verre avec l'équipe...
avec mes collègues en fait. Et comme il y a mon copain qui a fini plus tôt que d'habitude parce qu'il n'y avait personne au magasin, et ben il m'a attendu et tout à mon boulot, et après on devait aller tous boire un verre avec ses potes. Et j'arrive vers lui, tu vois, et il me fait: tiens, c'est pour toi. Et il m'avait acheté un énorme bouquet de fleurs. Le bouquet est plus gros que mon corps entier. Genre, il est trop trop beau. Je vous l'ai montré sur Insta. Vous avez été en mode waouh, quelle chance, tu vois. Et j'étais en mode waouh, c'est pas possible et tout. Genre, c'est pour moi. J'étais choquée. Et donc, je vais vous le montrer, le bouquet de fleurs. Il est comme ça. Il est trop, 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 mais trop trop beau. Je pense que c'est le plus beau bouquet de fleurs qu'on m'a offert. Il est magnifique. Donc il y a des roses, il y a des pivoines, il y a des fleurs de lys, mes fleurs préférées, de l'eucalyptus. Donc il a mis deux bottes de fleurs de lys, une botte de rose, une botte de pivoine, une botte de l'eucalyptus. Donc pour celles et ceux qui aimeraient bien avoir un bouquet comme ça, c'est aux alentours de 60€ à Truffaut pour ce genre de bouquet. Mais par contre, ça tient très 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 longtemps. En plus, on doit mettre de l'engrais dedans, donc tous les 3 jours vous devez changer l'eau et vous remettez de l'engrais à chaque fois, et ça tient très 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 longtemps. Genre ça peut tenir comme ça au moins un mois sans problème. Donc c'est vraiment des bonnes fleurs, de la bonne qualité, et vraiment ce bouquet est juste sublime. Donc ensuite on est allé boire tous un verre à Dupont Café, si vous connaissez BFM. On est allé là-bas et tout, on a mangé, etc. Et à un moment, en fait, je me suis sentie trop mal. Genre il y a mon cœur qui m'a fait mal, il y a mon ventre, tout, j'étais pas bien, vraiment, j'étais pas bien. Ça me fait ça de temps en temps, j'ai des points au cœur, ça se serre, ça se crispe, et j'arrive pas à respirer, je sens plus mon bras. Genre c'est comme un espèce de mini AVC, mais c'est pas un AVC, tu vois, c'est juste une crise, et tu sais pas pourquoi ça t'arrive. Et moi ça m'a fait ça et tout, j'étais pas bien, c'est pas la première fois que ça me fait ça. La première fois c'était quand j'étais au McDo, et ça m'a pris d'un seul coup, genre... Genre j'étais paniquée et tout, tu vois. Donc on était rentrés avec mon ex à la maison, et j'étais dans le mal, vraiment j'étais dans le mal. Là c'était pareil, sauf qu'on était tous ensemble, tous avec des copains. Donc tu sais, je vous ai rien dit parce que je voulais pas casser l'ambiance, tu vois. Genre donc je suis allée aux toilettes et tout une première fois, j'essayais de prendre l'air, etc. Mais rien. Ensuite je me sentais pas trop trop bien, donc j'ai commencé à prendre du sucre. Et quand je me sens pas trop trop bien comme ça, je prends du sucre, et ben ça me donne envie de vomir. Donc j'ai vomi dans les chiottes, j'ai vomi ce que j'avais mangé. D'ailleurs mon vomi était très très beau, hein. Il était d'une splendeur, vraiment, pour une fois. Parce que tu sais, il avait pas eu le temps de digérer, donc j'avais tous les morceaux, c'était génial. Bon appétit les enfants. Il y avait mon copain qui voulait faire un bière avec son pote et tout, et je lui dis bah ouais, si tu veux vas-y. Mais au moment où on devait aller au billard, j'étais en mode oh putain, non, je peux pas en fait. Donc j'ai préféré rentrer. Je lui ai dit, j'ai pas envie de rentrer, tu me rejoins après. Il m'a dit non, on rentre tous les deux. Donc il m'a pris un Uber, on est rentré. On a pris un thé, on a pris un bain. Et ça allait mieux, tu vois. Et on s'est couché et ça allait beaucoup mieux, quoi. Donc voilà pour ma petite soirée d'hier. Et donc là, aujourd'hui, je dois aller enfin à Leroy Merlin. À m'acheter mes pièces parce que j'ai envie d'avoir du wifi, de la télé. J'ai plus de voix. Oh mon dieu, aujourd'hui ça va être dur, hein. Parce qu'après je travaille. Déjà hier, les gens m'entendaient pas quand je parlais. C'était gênant. Pour eux comme pour moi, je n'en pouvais plus. Mais alors là, ça va être dur. Donc voilà, je vais aller à Leroy Merlin et j'essayerai de vous montrer ce soir les achats que j'ai faits. En gros, on dort tous les soirs ensemble avec mon copain. C'est genre trop bien, on est tout le temps H24 ensemble. Donc ça c'est vraiment ouf. Genre, enfin regarde-moi cette surprise, genre... Enfin, tu vois, moi, avant, avec mes ex, j'étais un peu en mode, ouais, un petit bouquet de fleurs, machin, et tout, tu vois. En mode, ah, j'aimerais bien. Et là, j'ai rien besoin de lui dire, tu vois. Genre, il fait, ça me fait plaisir de te l'offrir, ça me fait plaisir de voir, là, enfin, tout ce que tu... Tout cet amour dans tes yeux, ça fait plaisir. Même, je lui dis, mais de toute façon, même si tu m'avais offert une brindille et cassée que tu as retrouvée par terre à Truffaut, ça m'aurait fait encore plaisir, pareil. Et là, c'est juste sublime, le bouquet est sublime. Je l'ai envoyé à mon père, je vais lui le montrer et je vais lui dire, prends-en de la graine. Donc voilà, je vais aller me préparer, je vais aller manger un peu parce que là, il a commencé à 10h, là, mon copain, donc il est parti ce matin assez tôt. Et je vais le rejoindre tout à l'heure au boulot à 15h. Avant, je dois aller à Leroy Merlin, donc je vais me dépêcher parce qu'hier j'ai pas eu le temps d'y aller. Et voilà, allez, c'est parti, je vous montre juste après ce que ça donne. Alors, je viens de rentrer du boulot, j'ai acheté pas mal de choses à Leroy Merlin, elle faisait des très belles plantes. Je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, j'avais vu cette plante là, c'est là que j'avais vu en caisse qui était toute seule abandonnée. Et là, en fait,
Elle était encore là. Elle est trop trop belle. Genre, regardez-moi cette plante-là. Ça s'appelle un Synodapsus à 9,90€. Donc à Truffaut, ça vous l'avez à 20 balles, un peu plus que... Ouais, 22€ je crois qu'ils font ça à Truffaut. Ouais, j'ai trouvé vraiment trop trop belle. Ensuite, j'ai trouvé un autre cactus pied, mais en plus petit. Il est trop chou. Donc ça se vendait avec le cache-pot à 4,90€. Donc c'est pas plus... Enfin, c'est le même prix qu'à Truffaut, sauf qu'en fait à Truffaut, ils font pas ça. Pas les cactus pieds, ils font d'autres plantes, mais j'aime pas trop. Au Truffaut où je suis, en tout cas, ils ne le font pas. Ensuite, je me suis acheté celui-ci de pot et de plantes. Alors, la plante, je l'aime pas trop, mais le pot, j'aime beaucoup. Donc, ça pour le prix de 6,90€. Alors, en soi, vous allez dire que c'est cher, sauf que j'ai vu ce pot là en vente à sur AliExpress, il coûtait 5 balles. Je le voulais vraiment beaucoup et bah, je suis très contente. Ah, il n'y a pas de godet. D'accord, donc ça se met directement dedans. Faudrait que je fasse quelque chose parce que c'est un peu ridicule. Donc voilà, le pot est trop beau. Il faisait un truc avec du thé. Là, c'était coffee. Et vraiment trop trop beau. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris un autre. Ah, ça fait mal. Ils font de super beaux cache-pots, en tout cas à Leroy Merlin. Genre, regardez-moi celui-là de cache-pot. Donc le cactus avec le cache-pot, ça a coûté 8,90€. Vraiment trop trop beau. Il le faisait aussi en blanc et tout. Genre vraiment j'aime trop. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite j'ai pris une autre plante. Donc je voulais depuis longtemps un ficus, un grand ficus. Parce que j'en ai un mais tout petit. Et j'en voulais un grand. Et là c'était pas cher, 10,90€ avec le pot. Donc vraiment trop trop beau. J'ai trop hâte de l'entretenir. Parce que j'aime trop les ficus. Genre je trouve ça trop beau, les petits bonsaïs et tout. Genre... C'est trop trop mignon. Et ensuite j'ai donc acheté à Leroy bah, tout ce qu'il me fallait. Alors le problème à Leroy Merlin, c'est qu'il faisait pas d'adaptateur pour RJ45. Il faisait que des adaptateurs comme ça RJ11 avec cet embout là en fait. Et RJ11 bah moi ça m'allait pas. Donc j'ai dû acheter un embout RJ11 qui va aller dans un adaptateur comme ça RJ11 qui a une sortie RJ45. Et j'ai acheté aussi ça. Donc voilà pour ça, donc je vais tout installer et j'espère que ça va marcher. Alors il s'est passé quelques petits jours depuis ce que vous venez de voir. J'ai appelé le technicien pour qu'il vienne m'installer toute ma box, etc. Parce qu'il y avait des pièces qu'il me fallait et que je ne pouvais pas acheter à Leroy Merlin, qu'il n'y avait pas. C'était des pièces spécifiques parce que tout ce que j'avais acheté, ça ne servait strictement à rien au final. Parce que j'ai vu qu'il y avait une pièce qui était spéciale pour... pas besoin de tous ces adaptateurs, etc. Donc je vais vous montrer. Donc il est passé ce matin. J'ai plus trop de voix, excusez-moi. En fait, j'ai pas besoin d'avoir un adaptateur RJ45, etc. Donc là, je pourrais juste directement brancher mon téléphone dessus. Parce que de base, en fait, on peut avoir internet par cette prise-là. Hein, on peut. Donc en fait, il m'a mis un petit boîtier. Si j'arrive à pousser. Donc en fait, dans ce boîtier-là, il y a la prise que je vous avais montrée avec les petits prises un peu comme ça là, pour pouvoir mettre celle-là. Donc il m'en a mis une là avec deux embouts, donc il a pu les brancher les deux, il a pu brancher le modem et la box. Et en fait il a coupé ce câble qui sortait, vous savez, du mur là que j'arrivais pas à installer. Il l'a coupé et il l'a mise dans ce petit boîtier qui relie les deux... les deux machins, parce qu'en fait de base le câble qui sortait du mur, il fallait le mettre et dans le modem et dans la box, et vu que j'en avais qu'un, c'était pas possible. Donc il me l'a en fait divisé en deux, il m'a fait un petit boîtier, enfin bref. Ensuite il a mis le RJ45, il l'a connecté à ma box, et voilà, en gros le tour était joué en 5 minutes. Donc voilà. Tout ça pour ça, voilà. Donc voilà pour mon petite installation du modem, etc. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop chiante et longue ou je ne sais quoi pour vous. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici si c'est toujours pas fait. Je vous mets dans cette vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.